La première erreur que je vois énormément de femmes faire avec les hommes, c'est celle de ne pas avoir des critères bien définis. En fait, ce qui se passe, c'est que quand je suis en coaching, je demande aux femmes qui sont dans cette situation, qui est toujours la même d'ailleurs, ce sont souvent des femmes qui viennent de rencontrer un homme avec qui ça se passait bien. Au tout début, elle mettait des grands espoirs sur la relation. Et au bout de 4-5 mois, ça s'est arrêté de façon brutale, de façon très prématurée. Alors qu'elles se sont investies dans la relation, alors qu'elles ont donné du temps, des sentiments, des efforts, etc., etc. Et moi, ce que je fais, c'est que je leur demande, ok, pas de souci, quel type d'homme est-ce que tu veux ? De quel type d'homme est-ce que tu as besoin dans ta vie ? Il y en a qui savent très bien me répondre et qui savent me répondre également pourquoi est-ce qu'elles veulent ce type d'homme ? Parce que c'est ça la question la plus importante. Tu veux un homme altruiste, tu veux un homme communicatif, tu veux un homme protecteur, pourquoi ? Mais malheureusement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui me disent « Ben moi, je veux un homme bien ». Et en fait, vouloir un homme bien, ça veut absolument rien dire du tout. Et si tu veux, en fait, il y a trois situations qui arrivent très souvent avec les personnes qui ont des critères mal définis. Il peut y avoir la personne qui a des critères mal définis en supériorité, ça veut dire que c'est une personne qui a une liste de standards beaucoup trop longue par rapport à ce qu'elle-même est capable de mettre sur la table. Il va y avoir l'inverse, une personne qui va demander beaucoup trop peu par rapport à ce qu'elle apporte dans une relation. Et il va y avoir la situation où une femme n'aura pas vraiment connaissance de ce qu'elle veut ou de ce qu'elle ne veut pas. Et donc, parfois, avec le fait de vouloir un homme à l'instant T, de se retrouver face à un homme là, maintenant, tout de suite, qui lui plaît, cette femme va demander beaucoup moins que ce qu'elle aurait demandé en temps normal pour pouvoir être en couple avec cet homme-là. Et dans tous les cas, c'est problématique. Parce que la femme qui demande trop par rapport à ce qu'elle fournit, ben en fait, elle a une liste de critères qui est plus longue qu'un ticket de caisse. Donc forcément, c'est très difficile de trouver. Et la femme qui n'en demande pas assez, elle correspond sur le papier à beaucoup trop de gens. Je l'ai déjà raconté une fois, moi j'avais une cliente qui m'avait dit « Desse-moi tout ce que je veux, c'est un homme musulman qui travaille ». Et je lui ai dit « Ben écoute, des hommes musulmans qui travaillent, je fais le tour de mon bâtiment, je suis sûr que je t'en trouve plein ». Ça ne veut absolument rien dire, il faut aller beaucoup plus loin que ça. Et ce qui se passe, c'est que beaucoup de coachés m'ont dit « Ouais, mais tu sais, Des, en fait, nous, on ne s'est jamais vraiment posé la question ». Et en fait, ce n'est pas bon de ne pas se poser la question. Et c'est une erreur de juste établir un profil en se disant « Ouais, ben le gars, il est bien, je veux juste que ce soit un homme bien ». Parce que ça ne suffira pas. Être avec un homme bien, c'est quelque chose de basique, c'est le béaba. Mais par la suite, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu attends de cet homme-là ? Pourquoi est-ce que tu attends que cet homme soit comme ça ? Ce sont ces questions auxquelles il faut vraiment apporter des réponses concrètes et cohérentes par rapport à toi. Et la solution par rapport à ça, c'est tout simplement de prendre le temps d'apprendre à se connaître. Pour savoir quel type d'homme il faut que tu saches quel type de femme est-ce que tu es. Et en fonction de la personne que tu es, ça va définir ce qu'il te faut. Et en plus de ce qu'il te faut, tu rajoutes par la suite ce que tu veux chez cet homme. Et là, à partir de ce moment-là, tu te retrouveras devant l'homme idéal. Il y a une différence entre homme idéal et homme parfait. L'homme parfait n'existe pas. L'homme idéal, c'est la personne qui te correspond par rapport à la personne que toi, tu es. Et moi, en fait, j'ai une formation qui s'appelle « L'homme qu'il te faut ». Et dedans, il y a des exercices qui permettent justement de t'aider à trouver l'homme qu'il te faut. La formation porte très bien son nom. Et quand je suis en coaching avec des femmes qui rencontrent cette problématique, on fait ensemble quelques exercices de la formation. Et là, je vois parfois des femmes qui se découvrent, en fait, qui disent « Mais je ne savais même pas, en fait, que j'en demandais trop par rapport à certains éléments ou que j'en demandais pas assez ». Elles apprennent à se connaître à ce moment-là. Parce qu'en fait, on n'a pas mis dans la tête des gens que d'abord, ça passe par qui on est et qui on est découle ce qu'il nous faut. Alors que quand on réfléchit comme ça, en réalité, c'est logique. Donc, ce que tu dois faire, c'est que tu dois prendre le temps de faire une introspection sur toi-même et surtout d'être objective avec toi-même. Et c'est ça le plus dur, en fait. C'est d'être objective, de se demander, ok, pourquoi est-ce que je veux ça ? Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que moi-même, dans mes relations, je fournis les éléments que je demande aux autres ? C'est des questions que beaucoup de personnes fuient involontairement parce que tu peux très bien te rendre compte que « Ah mince, en fait, j'en demande trop, c'est chaud !» Et donc, pour éviter ça, parfois inconsciemment, il y a des personnes, hommes comme femmes, qui vont fuir un petit peu ce genre d'introspection. Surtout, il faut arrêter de faire ces listes de critères à la va-vite ou de faire comme tout le monde. Vous voyez, le cinéma, les séries télévisées, les médias, tout ça, ça a un impact sur nous. Que ce soit homme ou femme. Et en fait, il y a vraiment un profil qui ressort souvent d'un homme qu'on a toujours vu, un peu prince charmant, un peu beau gosse, un peu le mec qui sait tout faire. Et c'est génial peut-être d'être avec un homme comme ça. Je dis bien peut-être, parce que peut-être qu'en réalité, toi, la personne que tu es, tu n'as pas besoin d'un homme qui a autant d'attributs. Peut-être que tu as besoin d'un homme qui a des attributs qui sont totalement différents.
Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment s'asseoir, prendre le temps de faire cette introspection, s'interroger sur soi-même pour établir le bon profil qu'il te faut. Si tu veux écouter l'épisode complet de ce podcast, tu as juste à cliquer juste ici. Et si tu veux rentrer en contact avec moi pour qu'on puisse échanger sur ta situation personnelle dans un cadre complètement privé, tu as juste à cliquer juste là.